Cancer et ascendant cancer, voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2024 et bonne année à tous. Le soleil de ce mois de janvier est en capricorne jusqu'au 20, c'est-à-dire qu'il est face à vous et qu'il éclaire le secteur qui représente vos relations avec les autres ou avec votre chérie et disons que vous allez exister davantage dans la relation à l'autre. Vous serez moins centré sur vous-même et beaucoup plus intéressé par ce qu'il se passe dans votre relation à l'autre, aux autres en général, et même peut-être dans le monde. Disons que cette maison 7, elle représente tout ce qui est à l'extérieur par rapport à vous qui êtes centré sur vous-même, hein, comme tout le monde. Là, c'est le monde extérieur qui va vraiment être au centre de votre attention, qui va être votre priorité. Avec les gens qui l'occupent comme je vous le disais, ce qui se passe dans le monde. Les associations seront au premier plan aussi, les accords et les désaccords. Après le 20, le soleil rentrera en Verseau. Alors c'est un secteur de votre thème qui est un petit peu remuant, on va dire, sur le plan émotionnel. Vous aurez des émotions fortes, mais vous êtes habitué, hein, évidemment. Et bon, en plus de ça, il y a Pluton, hein, qui va rentrer aussi dans ce secteur. Allez voir la vidéo que nous avons faite le 21 mars et qui vous parle de ce que fait Pluton en Verseau. Côté activité, eh bien, Mars rentre en Capricorne le 4, donc elle va être face à vous. Alors, ça va un petit peu modifier les choses. Et quand je vous parlais de désaccord, il est possible que ce Mars produise du désaccord. Mais bon, elle forme de bons aspects, hein. Au début, elle va être en bon aspect avec Saturne, avec Jupiter, qui elle-même est en bon aspect avec vous. Donc, je pense que c'est pas forcément négatif, que peut-être vous aurez à vous défaire d'un adversaire ou de quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec vous, que vous allez devoir un petit peu batailler pour imposer votre point de vue, pour qu'on respecte un petit peu vos volontés. Mais le bon aspect entre Mars et Jupiter peut vous permettre d'avoir raison, hein, d'obtenir ce que vous voulez. Parce qu'avec un Mars en Capricorne, on ne lâche pas prise, hein, on est déterminé, persévérant, on sait que le temps joue en notre faveur, donc ne soyez pas trop pressés, hein, tout simplement, vous restez sur vos positions et tant pis si les autres ne sont pas contents, hein, ou si il y a un petit peu de la friture sur la ligne, c'est pas grave, hein, vous vous débrouillerez très bien. Du côté des amours, alors nous avons une Vénus qui est entrée en Sagittaire fin décembre et qui est qui va rester en Sagittaire jusqu'au 23. C'est le Sagittaire, c'est votre secteur 6, secteur du quotidien, qui gère à la fois vos activités, comment vous êtes au travail, vos relations avec vos collègues, mais également la santé, le bien qu'on peut faire à notre corps, comment on le traite, comment vous vous nourrissez, enfin tout ce qui peut améliorer votre santé au quotidien. Avec Vénus, bien évidemment, hein, on améliore, hein, puisque c'est une bonne planète. Sauf les 2-3 premiers jours du mois, elle va être en dissonance avec Saturne. Alors peut-être vous aurez fait des excès pendant les fêtes et que vous les payerez en étant un petit peu, voyez, en vous sentant un petit peu patraque, mais ça va passer très vite. À partir du 23, eh bien, Vénus sera face à vous,
en Capricorne, bien sûr, et en bon aspect, elle aussi, avec Saturne et avec Jupiter. Donc, si vous êtes du premier décan, c'est vraiment top. Il y a des rencontres dans l'air, il y a une stabilisation. Si vous avez une relation, elle se stabilise. Et vous éprouvez vraiment des sentiments qui produisent en vous une sensation de sécurité, de solidité, tout ce dont vous avez envie en tant que Cancer. De bonnes journées le 2, le 14, le 20 et le 28. Ce seront vraiment les meilleurs moments du mois, dans la mesure où les relations avec autrui seront vraiment au premier plan et vous pourrez peut-être vous affirmer face à certaines personnes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous la likez, vous vous abonnez. Et puis, si vous voulez plus d'astro, d'abord vous avez nos lives du mardi et du vendredi, vous avez nos réseaux sociaux, vous avez le site, c'est l'astro.com, les consultations avec Zoé ou avec moi. Je vous souhaite un très bon mois de janvier.